Vérité de vérité, aïe. Vérité de vérité, aïe. Je sais qu'après cette petite vidéo-là, il y aurait certains qui n'auront plus envie de dire qu'Eric Otete, on ne l'adresse pas la parole. Il n'y a pas de problème. On va faire un petit commentaire sur la tournée du président de la République à Paris. Je dis bien à Paris. Tous ceux qui sont autour du président de la République, qui sont des activistes, des communicants, wallahi billahi, vous rendez un mauvais service au président de la République. C'est inacceptable. Pour moi, je dis c'est inacceptable que ceux qui ont tenu le fer de lance de 2016 en 2023 ne soient pas reçus par le président de la République. J'ai dit non. Les gars, vous communiquez mal. Et vous ne rendez pas service au président. Le président, c'est le président de tous les Gabonais. C'est difficile de l'accepter qu'un combattant qui a tenu le fer de lance, on lui met dans la salle comme les autres, comme si c'était un citoyen normal ou un citoyen lambda. Non! Il faut reconnaître la valeur des autres. Je regarde dans la salle, on ne voit pas le grand Aimé Victor. On ne voit pas Luc Steven Mefan, on ne voit pas Bob le Fou, on ne voit pas Greg Geno, on ne voit pas la petite Adèle. J'en passe, lui j'oublie tout son nom, Costa ou Costa là. Ils sont nombreux comme ça, qu'on ne voit pas dans la salle. Et tout ça là, ce sont les communicants. Ce n'est pas le président au lieu de les appeler. C'est à vous qui êtes auprès du président pour dire que, monsieur le président, ceux-là, ils ont bossé. Ceux-là, ils ont travaillé. On a besoin d'eux. Ils ne cherchent pas les postes. Ils ne cherchent pas l'argent. Mais ils veulent quand même la reconnaissance. C'est facile. C'est pas compliqué. C'est facile. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que coûte cher à vous, aux ceux qui sont autour du président de la République? Vous voulez quoi? Vous cherchez à être le président, vous baladez avec le président pour dire que oui, on était des activistes, on est des activistes, on fait le travail du président. Mais faire le travail du président, c'est ramener le peuple vers le président. C'est d'accepter que le président soit avec le peuple. Mais quand vous êtes en train de vouloir diviser le peuple, vous pensez que vous gagnez quoi? Vous êtes méchant et gris. C'est inacceptable. Nous tous, là, on était sur cette toile-là, en train de chauffer. Nous avons tenu tous le fer de lance. On a voulu que le régime change. Mais le régime a changé. Vous ne changez pas vos mentalités. Aujourd'hui, vous voulez faire comme ceux qui étaient au pouvoir. Tous ceux qui étaient au pouvoir autour d'Ali ont entêté Ali à détester certains Gabonais. Et vous êtes en train de faire la même chose. Les gars, c'est méchant. C'est vraiment méchant et c'est mesquin de votre part. Ça, je ne vous cache pas. Peu importe ceux qui sont mauvais, les jeunesses Moulenda, et les Bandekois en chef, le grand Kamatatou. Oui, même à un moment donné, vous dites au président que ce sont des compatriotes. C'est des enfants. Quand ton enfant chie, est-ce que tu le fais sortir de la maison? Tu le punis, après tu le fais rentrer dans la maison? C'est la même chose pour ces compatriotes-là. On doit les écouter. Le président, c'est le président de tout le monde. Le régime a changé. Les gars, changé de mentalité. C'est plus le moment de mettre la croix sur certaines personnes. Je crois que maintenant qu'à travers cette vidéo-là, beaucoup vont me mettre sûrement la croix. Mais ce n'est pas mon problème, les gars. Moi, je ne suis pas dans ce comportement-là. Nous tous, on a galéré, on s'est combattu, on s'est battu. Il faudrait bien que nous tous, on soit restaurés. Il y a ceux qui sont dans cette salle-là, qui n'ont jamais pris même ne fût-ce que faire une publication contre Ali. Mais ils vont être au premier banc. Pourquoi? Vous pensez que moi, il est côté? Je me suis battu pour Awenje. Je parle de l'eau, la route, tout. Et le président vient ici là. On me met dans la même sardine que certains habitants. Moi, je refuse. Je dis non. Ça, c'est catégoriquement, non, on n'est pas. On est ensemble, mais sans être ensemble. Parce que moi, j'ai risqué ma vie. Au moment que la DG, le B2, les services de renseignement passaient chez moi pour se renseigner, est-ce qu'eux, ils étaient là? Ils acclamaient Ali. Ils étaient avec Ali. Pourquoi au moment de la gloire, ils doivent être devant? Les gars, c'est méchant et c'est mesquin. C'est mon mot, c'est méchant et c'est mesquin. Vous êtes en train de mettre le président en erreur. Vous là, les anciens activistes là. Je m'adresse aux activistes qui sont autour du président de la République. Vous êtes méchants.